fallait une source de lumière pour les détruire. Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. S'éloignait de la ferme, roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. La voiture fonçait sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts.
J'essaie de replacer chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'était lui qui avait disséminé les pages sur mon chemin. Quelqu'un avait laissé un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme. Y a quelqu'un? Ah Barry! Ah ah non! Danny! Vous n'êtes pas! Ah Mickey! Ah 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 qu'est-ce que je. Qu'est-ce que. Non, pas ça! Je suis désolé! Ah ah La porte de devant était fermée.